Salut à tous, bienvenue en Arabie Saoudite à la Titan Désert. Nouvelle étape de la Titan Désert qui cette fois-ci est en 4 jours. On va traverser les dunes, les canyons. On est juste à côté de la mer Rouge. J'ai hâte de découvrir le parcours. Aujourd'hui c'est un jour de transition, on va dire. J'ai monté le vélo. Laissez-moi vous faire découvrir déjà l'endroit où on est ici à Neom. Un endroit incroyable. Derrière moi ici c'est le camp de relaxation. Alors tu peux jouer à la PlayStation, à des jeux de société. Tu peux même si tu veux te faire une petite partie de basket. Hop, jouer au ping-pong ou encore te prendre une petite glace. Aujourd'hui, on dort dans les bungalows qui sont juste à côté de moi. Hop, deux beaux lits, une salle de bain. Il fait bon, il y a la clim, ça fait du bien. Parce que dehors, là, on doit être à 25 degrés, en vrai, ça va. Belle météo, grand soleil. C'est ici qu'on récupère les balises qui étaient fixées dans mon dos. En cas de problème, je vais pouvoir appeler les secours. Ici, on a les autocollants à mettre sur le cadre avec toutes les étapes. Petit sac de bienvenue de la Titan Désert avec une gourde, quelques cadeaux, les dossards et tout. Et me voilà fin prêt pour commencer cette nouvelle aventure. Il reste plus qu'un seul truc, c'est à mettre le GPS. Le GPS Garmin Edge 840 Solar. Vous voyez là, c'est en train de recharger avec le soleil. Garmin qui m'aide pour cette Titan Désert, que je remercie fortement. Ici, c'est la mer Rouge. Regardez-moi ça. Je vais en ramener, ça me fera un beau souvenir. Alors, est-ce qu'elle est chaude? Attention. C'est interdit, mince, déjà, je me suis arrêté. Bon, elle est chaude. Hein. We can't? Ah, ok, sorry. Ce fut court. C'est déjà l'heure de quitter notre premier camp. On va au second camp. 150 km à faire dans les petites montagnes. Oh là là, le lieu de zinzin, les gars. On est dans un décor de film là. Alors, tente 60, on va chercher ça. Hop. Oh ouais, carrément le barbecue là. Big chef. Ah, good. Et là derrière moi, il y a la cantine. On verra ça tout à l'heure, ce qu'ils nous ont cuisiné, mais. Ça va être une dinguerie, j'en suis sûr. Là, on a le logo officiel de la Titan Désert. Obligé, demain, je fais une photo là avec ce décor derrière. Bon, bah obligé, on va tester le barbecue. Hein. J'ai pris du bœuf, je crois que c'est, et du poulet. Ok, il est 6h, l'heure du réveil. C'est parti, let's go, première journée de coup. Étape 1, c'est parti. Au programme, aujourd'hui 78 km. Là, pendant 30 km, ça descend. Là, j'ai prévu d'être tout chousse. Après, là, je vais en chier là. Là, ça monte. De 30 à 55, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Là, j'ai prévu d'en chier là. Après ici, tout chousse. La grosse descente, là, ça va envoyer du drift dans les virages, tout chousse. Et là, ici, normalement, ça déroule. GPS, ok, c'est parti mon kiki. C'est parti mon kiki. Allez, là, ça déroule. Je suis dans le quatrième peloton. La pente tout chousse, c'est pas ça. Hein. On est sur du 1% de pente. Je me suis fait avoir. On est au 10e kilomètre. On arrive au checkpoint. Yep. Ouah, c'est du sable mouvant, là. Ouh. Du sable mouvant pour l'instant. C'est juste une horreur. C'est le ravito, personne s'est arrêté. On est en plein dans le désert. Ah, ça flingue. Ça flingue de pédaler dans le sable. Ok, il y en a embourbé là-bas. Ça sent la merde. Je suis bloqué, putain. Voilà. Allez, ça repart. Ça fume. Je suis pas venu faire le marathon des sables. Hein. Perdu des places là. Faut que je remonte le groupe. Les écarts se creusent ici. Ça use beaucoup d'énergie de tout le temps forcer dans le sable. Petit détour, on va aller voir les chameaux. Chameaux ou dromadaires, les gars? Dromadaires, je crois. Coucou les bêtes. Ok, ok. On leur fait peur. Hello! Ah, ils sont pas contents. Bon, je suis avec le seul français que j'ai rencontré pour l'instant. Comment ça se passe? Pour l'instant, ça va. Ça secoue là, regardez, on est sur des pistes de 4x4. Attendez là, je m'embourbe. Je parle et je m'embourbe. Mais là, on est sur des grandes pistes avec plein de petits sauts comme ça. Dur de pédale à une main. On continuera l'interview tout à l'heure. Là, on voit Enzo, le plus jeune de la Corse, qui vient d'Andorre. Ça va, ça passe bien? Pour l'instant, t'es dans les roues. Attends, moi, je suis sur une piste de BMX là. Méfiez-vous, moi, je reste derrière lui. Hein. À tout moment ça part, il y a la fougue de la jeunesse. Checkpoint. Et voilà, kilomètre 35, on va attaquer la montée bientôt. Après cette super descente qui n'était pas de la descente. Ah là ça roule, les décors sont magnifiques. On a Hassan, c'est le local. Arabia. Le local de l'étape, il est là. Waouh, c'est incroyable ici ce pays. Oh du bitume, qu'est-ce que c'est agréable. On n'a pas trop le droit normalement de rester sur la route. Hein. À droite. C'était court mais c'était cool. C'est un ravito. Allez, attention. Hop, juste de l'eau. Merci. On a refait le plein d'eau, c'est reparti. Pour aller récupérer le groupe maintenant. Ils sont pas arrêtés. Et là, ça grimpe là. Là, on a une bonne partie, je pense qu'on va dans les montagnes là-haut. Là, il y a un peu de trial. Ouh, 1h40 de course, 40 km. Sur une bonne moyenne. J'avais prévu que j'allais en chier ici.
petit coup de cul. Ah, c'est bon, ça fait du bien aux jambes. Ça fait du kilomètre, c'est gratuit. 50e kilomètre. Ah, ça y est, ça pique. Ah, si. Checkpoint. Voilà, c'est maintenant que c'est cool. Maintenant, ça descend. Oh, allez, ça fait du bien. On va essayer de pas crever. Ouah, c'est pas de tout repos quand même. Hein. On kiffe. Yéhou. Bon, bah là, je vois aucun concurrent devant moi. Du coup, je fais tout au GPS, pile poil sur la voie. Bientôt 3 heures de course. C'est dur là, que du plaisir. C'est reparti, encore 16 km. Ah, ça y est, j'ai les crampes qui arrivent là, les deux quadris. Aïe, 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 aïe. Mamma mia. Perdu des os, mon ami. Je sais pas ce que c'est comme animal, mais oh, ça bouge. Non, c'est vrai. Comme un petit renard. Bon, je vais pédaler si je veux pas terminer comme lui. Hein. Encore 10 km, allez. Ouais, ça termine avant les 4 heures, hein, avant midi. Et la dernière ligne droite pour aller jusqu'au camp. Voilà l'arrivée! Venga! Okay. Aurélien Fontenoy qui arrive! Pour la France! 3h58! 3h58! Objectif atteint, j'avais dit moins de 4h! Et en vrai, les gars, regardez, ça c'est les vélos qui sont arrivés. Hein. Il y en a 20, 30. Hein. Ce qui veut dire que. Plutôt pas mal mon résultat là aujourd'hui. Là. Une trentaine sur plus de 200 participants. Bon, allez, ça va partir direct au lavage. Après une petite douche, c'est le meilleur moment de la journée. Qu'est-ce qu'il nous a préparé aujourd'hui? Detox water, ça c'est pour moi ça. Petite soupe là pour l'hydratation. Côte de bœuf pour faire honneur au chef. Du riz avec du poulet, un peu de guacamole, des carottes et voilà. On est bien, on est bien. Oh, les desserts, ils vont faire du bien. Je vis ma best life. La nuit tombe et c'est le moment de regarder un petit film au coin du feu. Jour 2, c'est parti les gars. Aujourd'hui, c'est clairement la plus grosse étape, l'étape Rennes. 121 km, ils estiment 6 heures. 500 dénivelés positifs déjà pour commencer. Bam, pour se mettre en jambe. Un peu de descente, encore un gros pic là. Bim, ça descend. Et let's go. 3, 2, 1, go. Quick stage is on. Kilomètre 10, le peloton commence à s'éclater un petit peu, on perd des gens petit à petit. Ça essaie de trouver des traces, je comprends pas. Le GPS il dit qu'il faut rester sur cette trace. Chaque fois il y en a qui veulent couper, machin, ils s'embourbent. Voilà, je reste à mon rythme, PPR dans le wagon. Je sais que ça grimpe pendant 40 bornes. Hello. Checkpoint. Voilà. Checkpoint 1. Encore 10 bornes pour aller au pic de cette montée. Là on est dans des grandes étendues. Droite gauche. Droite gauche. On esquive, on esquive. Putain, j'ai roulé dans du barbelé. J'espère que ça va pas crever les pneus, on va voir. Bon bah je sais pas ce qui m'arrive, je suis parti en tête du peloton. Il y a plus personne derrière moi. Ah merde, je suis un peu tout seul dans mon désert pour l'instant. Je vais pas trop m'emballer hein. La route est longue, on en est qu'au 33e kilomètre hein. Ça veut dire encore 90 bornes. Fou, c'est rassurant tout ça. Ah, ça déroule, ça déroule. Celle-là elle est pour moi, attention à la bosse. Yo. Waouh, le spot, mais j'aurais dû prendre le trial là. Regardez-moi ce terrain de trial. Waouh. Waouh, ça donne envie de s'arrêter pour faire du trial là. Alors, je sais pas où on est. 90 à gauche, c'est parti. Je vais rester sur le côté parce que je crois qu'on n'a pas le droit d'y aller. Hein. Il me semble que c'est des pénalités si on y va. Je crois qu'on a le droit de tourner que ici. Voilà. Hello. Bonjour. Hello. Merci, thank you. Petit gel. France. And you? Spain? Yeah. Yeah. J'ai plus de pignon les gars, je peux plus pédaler. Ça c'est en mode roue libre. Voilà. Et voilà, checkpoint. Bon, ça continue. Toujours solo là. Heureusement que j'ai le Garmin pour me repérer parce que jusqu'à présent je suivais les autres les yeux fermés. Là je suis obligé de naviguer tout seul. Et là c'est tout droit. Et un dromadaire. Est-ce qu'il va avoir peur? Attendez. Salut frérot. Tu veux faire un petit selfie avec moi ou pas? Ouais, je vais pas t'embêter. Je suis en pleine course, les gars. Moi, ça me fait plaisir. Je vois un dromadaire, je suis content. Premier signe de vie, je vois quelqu'un devant. Hop là, dans les roues. J'espère qu'il a bouffé. Très bien. Hola, hola. Bonjour. Hola. Avec ma petite pause, les copains arrivent. Ça va repartir en groupe, là. Les collègues, ils se sont pas arrêtés, hein. Eux, ils n'avaient pas le temps. Hello. Yes, kilomètre 78, kilomètre 86 les gars. Ah, ça commence à être dur là. Et je me dis qu'il reste encore 35 km. Mon objectif là, c'est que dans 6 km, il y a un ravitaillement. Ça. On va faire étape par étape. Ça part sur une petite course contre un dromadaire là. Allez, galope, c'est le meilleur moment. Oh, bichette, ils ont les pieds attachés, ils peuvent pas courir. Regardez, ils sautent à pieds, genre. Ouais, ils font de la peine. Ah, le ravito, ça fait du bien. Bientôt 100 km, ça commence à piquer là, pour moi. Pouah, elle fait pas rigoler celle-là. Ah. Ils ont pas été cool après 100 bornes de mettre ça. Ah ouais, ça descend. Ah. On est sur de la partie descendante maintenant. Oh là là, je parlais trop vite, c'est du sable mouvant ici.
Je vois le camp, il est tout au fond là-bas. Plus que 5 km. Je dirais pas de bonheur, mais... Aurélien Fontenoy. 6h. Aurélien. Oh là là. 6h33. Wow. Merci. Alf Mabrouk. Mabrouk. Ça veut dire... Ah, congratulations. It's Mabrouk. Mais qu'est-ce que c'était dur. J'ai plus de jus, les gars. Tu vois, j'ai soif. J'ai même pas faim, je suis écœuré, là. Ah, je vais aller me poser un petit peu, d'abord. Qu'est-ce qu'il me dit, le GPS? J'aime bien voir les stats à la fin, là. Vitesse max 47. Calories brûlées 3500, les gars. Pour en bouffer les gâteaux, moi je vous dis. Hein. Megamo, c'est le vélo du gagnant d'hier. C'est marrant parce que Megamo, c'est au tout début une marque de trial. Moi j'ai commencé sur un vélo Megamo. C'est marrant de revoir la marque revenir comme ça. Ton guidon, il est incroyable. Et ça derrière le rouge, c'est le vélo de Sanchez. C'est un pilote de l'équipe Astana. Il est venu faire justement la Titan Désert comme ça, histoire de s'amuser. Il s'est monté des gros pneus en tout cas pour le désert. Bah regardez, je suis avec lui. Il a gagné l'étape. Il a gagné l'étape. How many hours? Five hours. Il m'a mis 1h30. So you already eat, showers. For you, you just relax. Yeah. I go to eat also. You go to eat? Yeah. Another time. Yeah. Yeah. Voilà, il a le temps de manger deux fois. Moi, je suis pas encore arrivé. C'est cool de voir des pilotes pros comme ça et de découvrir. Bah lui, il découvre un peu le VTT aussi, comme moi, je découvre le cross-country marathon. Mais voilà, de mélanger un petit peu tous les sports. Il y a des pilotes pros en route, il y a des pilotes en trial, il y a des pilotes en cross-country marathon. Il y a vraiment de tout. C'est très cool. Étape 3, c'est parti. Aujourd'hui, 92 km au programme, 700 de dénivelé positif. GPS, il me dit 4h36. Je pense peut-être un peu plus parce que dans le briefing, ils ont dit qu'il allait avoir du sable mouvant. Va falloir pousser le vélo certainement. On verra. Let's go! Est-ce que je lui dis qu'il a pas mis les mêmes chaussettes aujourd'hui là? Bon là je pars en solo. En fait quand tu suis un groupe, tout le monde s'embourbe et tout le monde se ralentit. Ils sont tous embourbés. Donc moi je continue ma trace toujours en suivant le GPS. En vrai c'est toujours les bonnes solutions. Voilà. Allez, checkpoint. Waouh, cette vallée en tout cas derrière, elle laisse présager beaucoup de kilomètres à faire. Là c'est stylé, là on est en train de descendre un vieux cours d'eau séché. Petite montée ici. Qui dit montée dit descendre derrière. Et là je suis en train de rattraper le groupe de devant. Attention de ne pas crever. La descente m'aura aidé. Waouh, je kiffe trop, ça fait États-Unis et tout là. Checkpoint. Nice place. Nice. Ah, à bientôt. Voilà. Voilà. Nouveau checkpoint. Hop là. Kilomètre 63. Encore 30 km. Dernière montée de la journée. Attendez, c'est irrésistible, ça a un peu de trial. Pas tous les jours, hein. On pourra faire ça. Et hop là. C'est stylé. Attendez, on va aller voir, il y a un jeune avec un BMX. On va aller voir, il me reste des barres, on va lui donner. Nice bike. Rafioun. Mabrouk. Voilà, il est content. Il me reste une petite barre, je vais lui donner une petite barre. C'est la fin. Aurélien Fontenoy. Youhou. Aurélien. 5h12. Bah voilà, c'est une fin d'étape et pour une fois, je termine pas carpette. J'avais un peu de force pour faire un petit finish, donc c'est très cool. Donc maintenant, vous voyez, là, ils sont en train de mettre les vélos dans ce camion-là. Ce soir, ils amènent les vélos à Neom, là où on était au tout début, le premier jour. Et on va faire une étape qui fait 50 km à peu près. Dernière journée, il est 6h du mat. On bouge, on va longer pendant 60 km toute la mer Rouge, ça va être incroyable. Let's go! Et ça roule tellement fort. Là, c'est full gaz. Premier checkpoint. Voilà, voilà. Oh, je vais me prendre le piqué de la tente. Et ça redescend. Hop là, la descente. C'est déjà le deuxième checkpoint. Et alors là, on a le vent en pleine face. Voilà. Thank you. Là on roule sur le sel. Ça doit être la mer Rouge qui a desséché, qui a laissé plein de sel au sol, parce que c'est profond. Ah, fresh. Dernière ligne droite les amis. Dernier virage à gauche. Et c'est fini. En moins de 2h30, 2h25. Wouh. Wow. Merci.
Merci. Très bonne course. Hein. Voilà les gars, terminé. J'ai la médaille de la Titan Desert Arabie Saoudite. Un grand merci à Garmin avec ce GPS Edge 840. Incroyable, je ne l'ai pas rechargé de toute la semaine et il est encore en pleine forme. À très vite pour une prochaine aventure. N'hésite pas à m'en proposer une d'ailleurs. Ciao.